Coucou les belles fans. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Ça va Calice? Yes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Calice? On va pranker Athéna. On va pranker Athéna. Voilà, ça sera la seule cible de notre prank avec Calice. Et qu'est-ce qu'on va faire pour la pranker ta petite sœur? Eh bien, on va faire croire que j'ai explosé. Donc j'arrive en overcar. Et puis il y aura une explosion, donc elle croira que j'ai explosé. Voilà, alors vous allez voir son image, vous allez tout comprendre. On va faire croire que l'overcar n'a plus de frein et qu'il explose. Vous allez voir comment ça va se passer, on a réfléchi à ça. Ah, les petits gants. Donc j'espère que ça va vous plaire, et si oui, mettez un grand pouce en l'air. Et Athéna, ça va, elle l'a bien pris. Elle y a cru, et en même temps, de ses 6 ans, elle n'a pas paniqué. Ce qui bon, bah ça va, elle a 7 vies, Calice. Comme les chats. D'ailleurs, il y a un petit chat qui est passé il n'y a pas très longtemps. On lui fait un gros bisou, petit chat. D'abord, les chats, ça a 9 vies. Bon, c'est parti, on le regarde ce prank. Ouais. Ah, c'est un de nos meilleurs pranks, c'est parti, go. Go. Hello la bubble fan. Coucou la bubble fan. Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, vous êtes en train de regarder une vidéo de studio bubble. Et ça fait pas longtemps qu'on l'a fait. Ah oui, c'est la vidéo le dernier prank qu'on a fait. Allez, ça vous dit d'aller vous amuser dehors plutôt? Ouais, hein. On va faire de la trottinette alternative. Oui. Allez, c'est parti. Après vous aurez le droit des petits, de gros maxi pour le goûter. C'est sympa ça. Vous avez acheté ça? C'est cool. Oui. Allez, go, on va s'amuser dehors. C'est une petite trottinette. On est chez les grands-parents, donc c'est la petite trottinette que tu avais quand tu étais plus petite. Elle roule quand même? Ça va. Bon. Après, tu pourras essayer l'overcar. Athéna, tu vas toujours cette trottinette? Oui. Ouais. Bah, vas-y, profitez, c'est les vacances. Voilà. Maintenant, j'ai un peu de mal à la faire tourner, mais je vais m'habituer. Encore un peu. Ouais, fais attention de ne pas tomber, d'accord? Vous faites pas mal. Et voilà, bientôt le prank. Athéna ne se doute de rien. Donc dans quelques secondes, je laisse un petit peu s'amuser. Après, Calice va prendre l'overcar. Et c'est là qu'elle va avoir un petit souci. On peut passer par là. C'est parti où Calice? Elle me suit, je suis passé dans les sapins. Je suis pas sûr que ça roule très très bien sur l'herbe Athéna là. Tu vas tomber. Non, tu vas tomber. Ah, ça roule très très mal. Ça se roule l'overcar, ça roule mieux, je sais pas. Tu voudrais essayer? Oui. L'overcar tout terrain, parce que la trottinette, on le sait, c'est pas du tout tout terrain, à part les trottinettes qui ont des grosses roues. Il existe des trottinettes avec des énormes roues où là effectivement on peut rouler comme ça sur l'herbe avec les branches etc. Mais autrement, autrement c'est pas fait pour ça. Bon bah on a qu'à essayer l'overcar Calice si tu veux. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. On va aller le chercher. Et puis comme ça nous on va la regarder à terre, d'accord? Oui bah moi je veux prendre le vélo. D'accord. Petit champignon. Eh ben ça y est, on a sorti l'overcar, Calice. Vroom, vroom. Alors, vas-y, montre-moi par où tu veux passer. Avec l'overcar, on a qu'à trottinette toujours. Parce que normalement, l'overcar, on passe pas par du tout terrain, on passe pas sur l'herbe. Tu passes par là? Ouais. Ouais, tout droit. Tout droit? Ok. D'accord. Ok, c'est pas mal. Et après tu tournes, ouais. Et puis je continue. Et tu continues tout droit. D'accord, et après tu arriveras. Ah non, tu passes par ici, voilà. Tac tac, et après tu arrives à rejoindre la terre ferme, on va dire, le goudron. Ok. Bon allez, en piste, moussaillon. Et puis moi je vais installer les petites GoPro parce que c'est pas toujours qu'on fait de l'overcar tout terrain. J'espère que ça va tenir. Hein. On va regarder Athéna. Je pense que le vélo ça va pas rouler sur l'herbe. Ah le vélo, oui, le vélo t'as du mal hein, sur l'herbe. Mais l'overcar, tu crois que ça va aller? Ouais. Bon, en attendant, je vais prendre la. Alors là, il y a Calice qui est en train de jouer avec Athéna. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, je suis en train de préparer les coulisses de ce prank. Donc pendant que Calice disparaîtra derrière la pierre, Athéna sera par là. Eh bien, je vais installer ce qui va faire l'explosion. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, en fait, Calice, elle va continuer par là. Et quand elle sera plus loin, moi, je serai là derrière la pierre.
et je ferai exploser, en tout cas pseudo-exploser, l'overcart. Voilà, on croira que c'est l'overcart qui a eu un petit souci et qui a explosé littéralement. Et donc, Athéna, elle sera plutôt en haut, comme ça, regardez, hop, on verra Calice disparaître derrière la pierre et boum, oups, j'ai failli glisser. Allez, c'est parti. Et ça y est, j'ai installé la caméra sur un pied en plan fixe, en plan large, comme ça on pourra bien voir l'explosion. Quand Calice va disparaître derrière la pierre avec l'overcart, elles sont en train de jouer là-bas. Donc là, je vais dire à Athéna de surveiller la caméra pour voir si ça tourne bien, pendant que Calice va faire sa petite descente. Et moi, je vais la filmer avec la GoPro et après je serai derrière la pierre. Comme ça, je pourrai faire le petit prank, la petite explosion. Voilà. Donc bien sûr, Calice, elle sera en sécurité. Et c'est une explosion qui n'est pas dangereuse, vous verrez, mais c'est impressionnant. Allez, c'est parti. Ça va, Athéna? Oui. Alors, Calice est en position, tu restes bien derrière la caméra, comme ça, moi, je vais filmer avec la GoPro. Ok? Et puis, s'il y a un petit souci, tu me dis, d'accord? Allez, moi, je vais encourager Calice. Hop. Allez, c'est parti pour le prank. Athéna est bien derrière la caméra, elle va pas bouger. Ça va, Calice? Que tu fasses, tu fais genre t'as plus de frein, ça va faire peur à Athéna. Donc moi je vais aller un petit peu en bas, je vais te filmer d'en bas, d'accord? Quand je te fais un grand signe, tu peux allumer l'overcart et commencer à descendre, ok? Allez, donc là je vais passer par là. Ça va, Athéna? Athéna n'a pas bougé derrière la caméra avec l'autre GoPro qui est ici. Coucou, t'es prête, Calice? Ok, quand tu veux. Allez, action. Ça y est, elle démarre, Athéna. Elle arrive, Calice. Quoi? Donc là, je me cache, Athéna ne me voit plus. Papa, il n'y a plus de frein! Ouais, Calice! Freine, mon cœur, tu vas... Attention! Papa, Calice. Athéna. Papa, Calice, elle a explosé. Problème. Je crois que ta sœur a explosé. Viens voir, viens voir. Faut pas que t'aies peur, d'accord? Ça arrive assez. Calice. Ah. T'as eu peur? C'est un prank! Oh là là, elle est complètement perturbée! T'as pleuré, non? Non, ça va? Tu t'es demandé ce qui se passait? T'as vu? Ouh! En tout cas, je suis content, ça a bien marché. T'as pas eu trop peur, mais tu t'es quand même inquiété, hein? On t'a entendu crier? Oh là là! Ça va? Ça va, ça a l'air d'aller. L'autre jour, tu nous disais, oui, mais toi, tu peux pas me pranker. Bah, tu vois, on t'a pranké, Athéna. Tu nous en veux pas? C'est rigolo. C'est rigolo. Oh, gros câlin. Câlin. Bon, ça va, tu l'as bien pris, c'est le principal. Et tu as cru? Ouais, quand même. C'est quoi ce tombeur carte qui explose? Bon, allez, on va se remettre dans nos émotions et après on va faire la petite conclusion. Je vais récupérer toutes les caméras, vous avez vu, il y en avait pas mal. Freine, mon cœur, tout de même. Attention! Oui, il est trop mignon. Bon, ça y est, on est rentré. Donc là, on fait cette conclusion finalement le lendemain. On a fait hier le prank. Du coup, t'as eu le temps de digérer. Alors, comment c'était ce petit prank? Rigolo? Oui. Oui. Mais j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Oh bah oui, forcément, sur le moment, tu t'es dit... C'est normal, quoi. C'est un prank. Bah oui, t'as eu peur que la grande tour, elle ait explosé. Bon, on peut pas exploser avec un overboard ou un overcart, hein, rassurez-vous, c'était une petite blagounette. Bon bah la prochaine fois, ça sera Calice, alors de se faire pranker. Bah on peut que se faire écraser avec une voiture ou un avion, mais c'est tout. Avec un avion, oui, bah oui, c'est tout. Bah oui, et une voiture, alors. Bon, bah, on verra et bien. En bateau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les petits copains. Si oui, laissez un petit pouce en l'air. En tout cas, nous, c'était pas évident à faire. On a réussi, Calice. Hein. Voilà, j'espère que t'as pas eu trop peur. Mais c'est bien, tu l'as bien pris. C'est cool. Et puis, ça sera peut-être pour une prochaine prank story. Je ne sais pas qui la prochaine fois. En tout cas, on se retrouve bientôt sur Studio Bubble Tea. D'ici là, on se fait des gros bisous. Et n'oubliez pas,
Soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves. Ciao. Oh, okay.